Y'a pas de numéro! On m'a sbiboune! Attendez, what the fuck? Normalement, y'a un numéro! Salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, mais en deux parties. Vous allez voir ça, on va commencer sur une première partie les amis. Pack opening, on a un très très gros colis comme vous le voyez. On est actuellement live, il y a le chat de l'autre côté là. Il est juste là, il pète un câble, si vous voyez des trucs bizarres, n'hésitez pas à le relever, à me dire ça en commentaire. Et j'ai commandé tout simplement quelque chose dans le shop Supercell avec une promotion, donc c'est TAKE20, donc c'est 20% de réduction que j'ai eu sur ma commande. Et du coup j'en ai profité pour commander ce très très gros colis. Alors dites-moi en commentaire, à votre avis c'est quoi? Faites-moi péter cet espace commentaire. On se donne également un objectif de pouce bleu, objectif. Je réfléchis, combien? On se donne combien l'objectif le chat? Bon bah ils l'ont décidé sur le chat, vous l'avez vu, ça a défilé, objectif 10 000 pouces bleus. Faites-moi péter cette barre, on attaque tout de suite du coup avec le pack opening. Les amis, on y croit. Alors à votre avis c'est quoi en commentaire? Faites-moi péter ça. Putain. Ok. Ok. Je vois un bout de carton, je m'enflamme sur le carton. Alors imaginez quand je vais voir la bête. Oh putain les gars. On a du carton. Enfin non, du carton, c'est du plastique ça. Ok, j'ai une lettre. Il y a Supercell qui m'a écrit une lettre. C'est peut-être un partenariat les amis. Non. Ouais, ok. Non, c'est la facture genre. Ok. Ok. Non, c'est juste une facture. Faut que je vois. Ils se sont dit peut-être non, il est youtubeur. Putain, c'est bon les gars. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Attendez, j'ai les tambours. Oh merde, mais vous voyez? Mais vous êtes des tricheurs, vous voyez, vous me le dites même pas. Putain, Francis. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Elle est là, on s'est fait kiffer le petit PK en or qui servira bah, pour le futur setup un jour, Inch'Allah, dans la déco et tout. Je me suis dit que c'était l'occasion, vu que c'est une édition limitée, ils sont numérotés, il y en a 500 je crois, c'est ça, 500 dans le monde. Dites-moi sur le chat, confirmez-moi ça, je crois qu'il y en a 500, je me suis dit. Quand j'ai vu le shop à l'époque sortir, je me disais putain, je kifferais trop avoir une de ces statues. En plus, il y en a que 500, il y a moyen qu'il n'y en ait plus. Et bah là, j'ai pu avoir la chance de pouvoir me le commander, du coup, je l'ai fait. En plus, il y avait une promo de 20%, c'est surtout ça qui m'a incité. Et bah les gars, on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir direct. Voyons la bête. On va éviter d'abîmer le carton, parce que moi d'habitude, quand j'ouvre les trucs, je déchire. Ok. Ok, Francis. Pack opening. Il y en a 550, il y en a 600, il y en a 500. Ouais, il y en a pas beaucoup quoi. Moi je l'ai ouvert, hein, bah les couilles. Hein. Ok. Putain, Francis! Mais j'ai un couteau merguez aussi! Je suis sûr, avec un stylo, je m'en sors mieux. A few moments later. Attention les amis. Oh! My. Ah ouais, putain! Oh, Francis! T'as vu mes bras là? Le truc, laisse tomber, il fait mon poids. Really nigga. Ah ouais. On va la déballer les gars. Vous la voyez en premier de face. Hop. Oh, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Vous la trouvez comment les amis? Donnez-moi une note sur. Oh là là. Elle envoie du très très lourd. Et c'est la numéro. What? Les gars, j'ai pas de numéro, on m'a sbiboune. Regardez, y'a pas de numéro. On m'a sbiboune. Attendez, what the fuck? Normalement, y'a un numéro. On m'a arnaqué, hein. C'est une imitation, hein. C'est une falche, les gars. Je crois que j'ai mis le code réduction, on m'a donné une falche, hein. Bon, je m'en fous. Enfin, si, c'est quand même chiant. C'est bien d'avoir le numéro, de savoir c'est la combien. Je l'ai pas. C'est normal ou pas, les gars? One eternity later.
Et du coup, on est de retour, mes petites truites, avec notre petit Francis, notre petit PK. Alors, dites-moi en commentaire, vraiment au niveau de l'édition limitée, est-ce que je me suis fait zbiboun ou non? J'ai l'impression que oui, on va passer à autre chose, les amis. Deck 2v2 pour ce fameux défi de la mort subite en 2 contre 2. Alors, il a ouvert hier et on va aller le tester ensemble aujourd'hui. Mais juste avant, on va aller découvrir ensemble le shop et le coffre. Et je vous présenterai ensuite un deck spécial que j'ai conçu rien que pour ce deck. Allez, du coup, on s'échauffe avec ces deux petits coffre en bois, on commence avec 90 pièces, 11 chauves-souris, ça c'est cool, on va bientôt pouvoir les passer niveau 11 et 2 TDE. Allez, le suivant, Francis, le chiffre 2, ça va pas être bon ça. 11 chauves-souris, 2 sorts de soins. Ok, on va enchaîner avec le petit coffre en or ici, c'est toujours ça de prix. Avant la petite game des familles, 11 chauves-souris, 2 sorts de guérison, 2 cabanes et encore des communes, ce sera 26 mortiers malheureusement. Donc pour l'instant, ça paye pas. Est-ce qu'on va réussir à aller débloquer cette sorcière de nuit ensemble avec ce shop? On y croit, on lève les nageoires, attention 3, 2, 1. J'ai l'habitude maintenant, c'est pas nouveau, j'ai l'habitude de ces decks tout pourris, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On va passer tout de suite à la présentation du deck dont je vous parlais, un deck qui va être vraiment basé sur l'agressivité. Je suis passé sur un ballon, parce que le ballon, on le sait, arrivé sur tour, ça peut prendre la tour immédiatement. On a le bélier pour accompagner ce ballon, ou le bûcheron avec l'arrache, ça peut être très bon. Le gel en mode sort surprise, enfin pour troupe et un peu accompagner ce ballon éventuellement. Le gang de gobelins, les petites chauves-souris à deux, vous pouvez mettre des démouches si vous voulez. Et enfin, l'esprit de glace, on rappelle le défi de la mort subite, c'est très facile. Hein. La première équipe à détruire une tour à gagner. Donc ça peut aller très vite. En 20 secondes, ça peut être clôturé. Donc vraiment, l'idée de ce deck, c'est un petit peu ça. On va voir comment ça va se passer, à savoir qu'il y a des récompenses uniques également. 1000 pièces à 3 victoires, 5 victoires, 10 gemmes. À 7 victoires, vous avez 2 épiques. Et enfin, pour terminer, 9 victoires, un coffre géant. Peut-être ce coffre géant pour la petite légendaire. Pour moi, on sait pas. Allez, c'est parti. On lance la sauce et on espère gagner. Alors, vous savez, 2v2 et moi, ça paye pas. Ok, c'est parti, on est passé en temps extra. On va partir sur des chauves-souris fond de map. Pour l'instant, ça joue pas. Ok, des portugais super saiyan ici. On va partir sur le petit esprit de glace. On garde la surprise pour l'instant. Ok, le bon, on va aller à gauche, les amis. On va aller à gauche, c'est à gauche que tout va se passer. Là, il y a une belle boule de feu à faire. Voilà, hop là, on envoie le bûcheron. Voilà, def, def, def. Il défend, c'est bon, il défend bien. Il défend bien, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, on rajoute tout de suite le ballon. Allez, le ballon, c'est maintenant, les gars. Le gel, il est prêt, c'est maintenant qu'on prend la tour. Le gel est prêt, le gel est prêt, c'est bon, c'est le GG. Mais oui, monsieur, ça a été express en 40 secondes. On a gagné cette partie, alors c'est pas foncièrement grâce à moi, même si le Belly a fait le taf. Plutôt cool cette victoire. On enchaîne tout de suite avec une autre game, puisque ça va quand même très très vite. On va pas s'arrêter tout de suite sur une victoire, c'est super intense. Et moi, je dis oui, monsieur, pour ça. On va commencer avec un Ice Spirit. Ok, j'ai tout. J'ai tout, je lui montre. Je lui montre ce que je veux faire, Francis. Oh, ça c'est bien joué, la Tombstone. Bien joué la foudre. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. On attend. On attend le dernier moment. Ah, bien joué. Le gel maintenant. Oh non! Notre tour! Mais il faisait quoi, Francis? Oh my god! On s'est fait totalement merguez. J'ai rien vu venir. Allez, une dernière. Putain, c'est énorme ce mode parce que c'est super intense. C'est genre 30 secondes, quoi. Je pense qu'il faut que je fasse plus attention à ma défense aussi. Là, j'étais trop offensif. On va partir sur un petit gang de gobelins ici en split. Ok. Petit Ice Spirit là. Voilà, ça c'est bien ça. Allez, c'est parti, moi j'y vais. Allez, on y va, on y va. Voilà, ça c'est pas mal ce cimetière. On a le gel. Le gel! Maintenant, le gel. On lève les nageoires, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Faut regarder le ballon qui met un coup. Est-ce qu'il met le deuxième? C'est le GG. Oui, monsieur. Le ballon gel qui est passé. Voilà ce qu'il faut faire avec ce deck. Je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Je vous remontre la decklist ici. Donc, le gel, le bélier portugais que vous pouvez remplacer par une voleuse, un golem de glace, un chevalier. Il y a vraiment pas mal de variantes. Ou même un cochon. Au final, le cochon aura à peu près le même rôle, même si je trouve le bélier plus intéressant parce que derrière il y a des troupes qui vont assister ce ballon, alors que le cochon il va tout droit, après il meurt, c'est terminé. On a le fameux gang de gobelins, les petites battes que vous pourrez remplacer par les petites gargouilles ou éventuellement la horde de gargouilles. L'idée étant quand même d'avoir un deck qui cycle assez vite. Enfin, le bûcheron qui sert surtout pour son effet de rage qui peut surprendre notamment avec le ballon. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est le cas, bombardez-moi cette barre de pouces bleus. 10 000 on a dit en objectif. Et ben, quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo.